non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attendez une petite seconde. Voilà, et maintenant, on recommence. Mais c'est pas ça non plus, voyons. C'est pas moi. C'est le neurasthénique Titsu qui prend sa cendrille. Mais tu sais, moi j'ai faim, tu sais. Oui, ben commence par mettre la table. Oui, ton père regardait les athlètes. Mais que veux-tu, Fifi? Moi je suis sportif. Oui, ben ça te fait une belle jambe. Oui, ah oui, ça te fait une belle jambe. Oh, bonjour, monsieur Hippolyte. Hélène, tu ne veux pas dire cher maître? Oh, je vous en prie, je suis modeste comme tous les génies. Oh, je m'excuse, mon cher maître, de vous faire déjeuner à une heure pareille. Oh, pour moi, seul compte mon art, ma musique. Et qu'est-ce qu'on a bouffé? Une poule au riz, mon cher maître. Mais comme je n'avais pas de riz, je l'ai fait au petit pois. C'est la première fois que je mangerai une poule au riz au petit pois. Oui. D'autant plus qu'elle est aux pommes de terre. Vous allez me donner un coup de main. Et nous allons faire la cuisine. Je me ferai un plaisir de vous aider, j'ai été voix scout. Parce qu'en cuisine, je connais aussi la musique. Anatole, oui, aide-moi mes comptabiliers. Voilà, pardon, j'y vais. Attends. Anatole. Oui. Ben oui, tu... Ben là, Fifi. Attends, tu bouges tout le temps. Là. Dis donc, tu as fait cuire la poule? Oui, mais oui, oh, je l'ai mis au four ce matin avant de partir au bureau. Elle doit être cuite, tu penses? Attention, Fifi! Attention, Fifi! Oh, attention! Alors, tu ne pourrais pas la plumer? Non, non, je sais bien, j'ai le cœur trop sensible. Brave cœur, oh, ça oui, brave cœur. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, j'ai horreur de la poule au riz, qu'elle soit au petit pois ou aux pommes de terre. Je vais vous préparer un petit plat de ma spécialité, le vol au vent, Paganini. Ça va peut-être être bon. Un petit peu de beurre. Musicien jusqu'au bout de la cuillère, mon cher maître. Je cherche une casserole qui me donne le la. La, bah, la. Il l'a. En toute chose, il faut de la mesure. Oh oui, ça oui, je m'excuse. T'es moins neuf. Anatole, pas casse pas neuf. Oui. Ben dégage-toi, mec. Ben oui, oui, oui. Allons. Je me prépare, ça y est. Dégage-toi. Tout de suite. Mon saladier, qui vient de la tenture sud. Mais Vivi, ça doit être un œuf dur, regarde. Ben, c'est l'œuf pour briser tes chaussettes, idiot. Pourquoi elle était là, alors? Vous n'allez pas nous en faire toute une salade avec votre saladier. Ne troublez pas, toi, là. Arrive. Oui, d'accord, mais plutôt le couvert. Oui, Vivi. Et vous, madame la docteur, lâchez-moi de la viande, hein. Oscar. Maman. Casse-moi l'œuf. Quelle enjure, hein? 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Eh ben quoi? Eh ben, y a pas de barbe dans le volant, mais pas de gagné. Oh, je sais pas, j'en ai jamais mangé. Oh, tu t'enrhumes, fiston? C'est rien, c'est la neige. Ah oui, c'est rien. Ça suffit. Tout est dans le rythme, c'est parfait. Merci. Voilà, vous avez les sardines. Vite. Hein? Mais vous les avez pas ouvertes. Mais ça s'ouvrira à la chaleur. Le vin et le lait. Oh. Vous savez que j'ai le foie malade. Eh ben moi aussi. Ça ne m'étonne pas. Oh, ces artistes! Oui. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire bouillir le tout. Il nous reste aussi à le manger. Toi, occupe-toi de ton travail. Bon. C'est de l'eau dans le gaz. Tout s'explique. J'avais oublié de mettre le sel. Oh mon Dieu. Ah bon, je me disais aussi. Dans ce cas-là, on ferait peut-être mieux d'aller au restaurant, hein? Bougeons plus. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Oui. Descends tout de suite. Oui.
Oui, Fifi. Je vais t'expliquer. Pardon, Fifi. Mais vous pouvez être fière de lui, madame. C'est un héros. Nous lui devons la victoire. Possible. Mais il est sorti sans permission. Mais Fifi. Allez, viens. Mais voyons, Fifi. Voyons, poupée. Poupée. Fifi. Voyons, poupée. Oh non.